Mardi 16 juillet 2024, Bokamati Boka Kolanda Biso partout à travers le monde, Mbote Nabino Balandia Pona Congo, na Nzela ya Baitando Eke Nabino Naibike Boza et Bele Kolanda Biso à travers le monde, Kimia Mbota Nabino et Sengo. Pe consolation na Baye Basali Kolela, Tika et Nzambi Abondisa, Mi Tema, To Zongi Lissousou na cadre ya Masolo Nabiso ya Maye Matali Mboka. Congo, après publication et rapport, il y a groupe de spère, il y a Nations Unies et Sengeli Kolobela, Lissousou M23T et Sengeli plutôt Kolobela directement Rwanda, Wana Maloba, il y a Ndeko Patrick Moyaya. Oazali Bongo, ministre ya communication pe media Oazwaki Malobana Maye Matali, situation sécuritaire kuna na parti est ya Mboka Nabiso et Nasango Moko Anakaka Sanko a qualifié d'incident inattendu intervention ya chef rebelle na Moko ya ba célébration ecclésiastique ya dimanche dernier kuna na paroisse Moko catholique na Rutshuru et conférence des évêques de la RDC va rappeler na batonion son nécessité ya ko renforcer cohésion nationale na tango tozayana etumba na ko organiser pe bongo concertation pe regroupement ya ba force vive ya mboka et na maewana église de réveil du Congo ba réagir ko talisaka que église ezali na mosala ya ko pesa ba politique malobaté et surtout encore moins ba rebelle et singe l'église et ça là au milieu du village nini bino bozali ko kanisa sur sorti wana ya moko ya ba chef rebelle na église catholique puisque ba critique ezo ki na ba sens nyonso alors que l'église catholique ni bongo implication naye nous en parlons au cours de cette émission mais il faut dire que na maimata les justice ya mboka na Cour de compte a conditionné Bongo inspecteur général de finances son décoji la lingette mon konalelo ba cadre IP ya ba institution wana IGF na cadre moko ya Jekamine pour na dossier o ezali kotalaka contrat consultance établi na JIE 2023 zongelango au cours de cette émission et matali justice pototika la kuna aucun dossier pénal ouvert à charge de l'artiste musicien Kofi Olomide. Ezali annonce Pesami Bongo na ministre ya justice Kotali Saka critique pe moi ndungu ndungu na kati opinion atalisi ki invitation oyonde kwa zwa ki ezali invitation à caractère pédagogique pour na kosolo na ye pe kosongisa ye na nzela rien à voir na procès moko quelconque autour ya ba propos oyabimisa ki kuna na radio télévision nationale congolaise tofunga manaka na biso ya pona Congo tozali bongo na moko ya bana mboka Congo oboyebi malamu malamu oyo amesana pe koza na biso ndeko Jean Mubenga oyazali bon moko ya ba patriote oyalingaka mboka Congo malamu malamu ndeko Jean Mubenga mbote pe boye bala mbote ndeko Naomi pona invitation tonga lelo mbote na balandi nyonso ya congolaise télévision. Très bien, Maton Domingi, Nengondi Mekoye Nala Mituna Nabiso, Motuna Yambo, ils allaient déjà déclaration il y a 5 ans autour il y a prise de parole et à chef rebelle na église il y a Nzambe. Comment est-ce que vous allez cogiger Bongo Yango alors que la 5 ans parle na incident Moko et Zela m'a quitté et Zela qui est surprise Pepo Nabango? Oui, 5 ans. Tout bango depuis un certain temps, baza sembote, bazali ndenge tokanisakate ndenge tuza kola tuebike église ezalaka na kati ya mboka, donc au milieu du village, c'est-à-dire comme on le dit souvent, l'église doit être au milieu du village. Oya biso ya Congo, ezana milieu du village, c'est parce qu'ezali excentré, ezana penchant nango. Tout le monde a déjà à partir de
à Genève, tant au Makambo et Salemi, moi Namboka, Martin Fayoulou, Abimi, candidat à Batoua Genève, Félix Akena à Nairobi, Église catholique, Ndenge Bazalaki déjà à l'époque, na ba partenariat na Union européenne, Boyoka Ndenge Ndeko Monseigneur Chole, partout na Babi, Bino Bozoaki Mosolo Wapi. Suisse n'a pas ça, Norvège, Belgique, Mboka wana nyonso Europe, Bapesa, Église catholique Mosolo, pour que ba soutenir candidat, Ouzalaki à l'époque Martin Fayoulou. Tant que si Mbakate Boumouna Ndenge Basala, nyonso Barbio, Vérité des Urnes, Bangouazana Makamo, Église catholique, depuis que Mwana Mboka Félix Tshisekedi Aza Nabokonzi, Batikala Kozala Nayete. Comme on voit dans tous les autres pays, l'Église a accompagné les pouvoirs. Quel que soit le pouvoir qui arrive, l'Église n'a pas de choix que de travailler avec ceux qui sont établis comme autorité. Mais dans le cadre de Nabiso, bango bakenda kaka na ndenge na bango. Balobaki awa, il est cardinal Mbongo. Alobaki nini ke bato bazokende kuna parce que nani partage les amalamouté. Donc il y a un abattoir qui est de Kuna. Donc aujourd'hui, dire que c'est un incident, c'est une situation très grave. Les responsables de l'Église catholique devaient être interpellés parce que l'Église de Zakuna, ils ont dépendre de Nabango. L'Église catholique n'est pas autonome. Mais le cardinal l'a dit plusieurs fois, alors Akutana Kina, le président de la République, a dit que Babimi Saki, Maloba, le contexte, où il y a l'Obela qui est en. Ça n'a rien à voir. À quoi on dit matin? Il ne peut pas accepter ça. C'est comme ça que, tant on a dit que la population, Batunyon, Suba, Gangi, Klamerwana, et Sali, Somo, Batunyon, Suba, Sengi, qui va interpeller Azali au-dessus de la loi. Dans d'autres pays comme en Australie, na ce qui na Colombie, ba kanga ba sango, ce que au buki mobeko, il faut ba kanga yo. Vous incitez les gens à la rébellion, c'est punissable, c'est pénal. Donc ba ko salate que bango bazali na Kinshasa, corne nanga kekuna ba yebi très bien que aux allés rebelles bazo pesa e maloba. Bango ba loba que zali incident. Minimiser en haut. Nous avons compris qu'ils sont en train de travailler ensemble. Ah, c'est grave comme acquis. Non, mais ils sont en train de travailler ensemble. Parce que ce que mon numéro 1 est l'Église catholique, dans Mboka Nabiso, Azo Sepela, Alobi qui était, Bato Azo Kendekuna, Ezali, parce que se retrouvait. Un responsable religieux ne peut pas avoir un comportement comme ça. Il devait condamner ça. Mais il y a une convention. Kanda Moko Ezali, Ezo Pekisabo, on église catholique, et la politique, Bazoua Maloba. Évêque, ou Apesaki, chef rebelle Maloba, normalement, il se engage à la sanction. Est-ce que ça l'est à moi? Bazoua Maloba, Ezali, incident Moko Amouke. Il fallait Bazoua mesure, tu vois, que 5 ans, à radier Moutouano bien, à suspendre, ou alors une mesure là qui fera que Bazoua Maloba, c'est Bazoua désolidariser na. Action au Salimikuna. Ils n'ont rien fait. En d'autres termes, qui ne dit rien consent. Toi, tu as joué double G. 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 Tu as joué na makambo o etali rébellion. Bon, moni basango, balobi bon, tout ça la marche, tout protester, tout l'axe mokili mobimba, que nous ne sommes pas d'accord avec ce que Kagame fait. Bon, c'est bon, moni, hein. Pour la makambo, c'est bon, moni, bangwana nanzela. Ça, c'est un pays qui est attaqué. Si aujourd'hui le pays n'est pas en paix, l'église ne va pas s'ouvrir. L'église ne va pas ouvrir les portes. Batoboké n'est l'église, t'es. On a besoin de Bible coûte le bi, bon sambe la pona mboko place pour fandi. Pour kimi a mboka wana ezo dépendre. Kimi a bible ezo dépendre mboka wana. Pourquoi bango li kambo ya est ezo kipe bango te? Tout le bata ke, cardinal a lobi, bon, je décrète 3 jours ya prière. To kouta na star de martyr, to salapo, tozo sepelate bande wana biso bazo koufakuna.
ou bien bisoyo tozu biloko akolia ba nini ba médicaments, nous allons assister nos frères qui sont à l'est. Bosso mon église salé en ils sont église en quoi parce que na mission na bango bazana mission sociale et ça là bango pas c'était oh papa nini moi na zo mon passe moi na za a zoki au lugata nini pense mate aux autres la rac parce que c'est ce que dit au pouvoir et ça église moko yango nde ezala kina i de personnes alors il y a beaucoup de pouvoir, alors et opposition, l'Église catholique a soutenu. Et à un moment donné, Mdeko Kaboun parlait de 50-50. Est-ce que quelque chose a changé? Quelque chose a changé quand on a commencé à vouloir voir clair sur les partenariats, l'État et l'Église. On a trouvé que, côté Église catholique, moi, des ordres des Arakis et Bélé, il y avait beaucoup d'écoles qui n'existaient pas. Depuis les années 70, l'école de l'Union est inactive. Mais dans la liste, l'école de l'Union est inactive. L'État est bimaka pour nous que nous foutons. Parce que ce sont des conventions. On appelle l'église conventionnée catholique. Il y a une convention que l'église, là où l'État ne peut pas pourvoir les écoles, l'église catholique, l'État lui donne des terres. Il construit sa paroisse, il construit les écoles, il construit les couvents et il donne le service à la population. En retour, l'État verse l'argent à l'Église. Alors, à un moment donné, ils ont commencé à commercialiser l'enseignement. C'est-à-dire, on demande aux parents de payer pour que les enfants étudient, pendant que l'État subventionnait les écoles. Mais quand maintenant on fait le contrôle, on trouve que, par exemple, sur 1000 écoles, il n'y a que 200 écoles qui sont réellement, qui existent, qui ont une adresse. Vous pouvez aller chaque matin, vous trouvez que l'école est là, les enfants viennent étudier. Mais où sont les autres ici? Oh non, non, il faut pas, il faut comprendre, il faut... Je dis, mais comment? On ne peut pas continuer à verser beaucoup d'argent comme ça pour des écoles qui n'existent pas. Le problème a commencé là. Alors... Et deuxième aspect, c'est quand on a décrété la gratuité de l'enseignement. Comme l'Église catholique avait déjà organisé tout un réseau mafieux, la population était une vache à lait. Les parents devaient donner l'argent à l'Église pendant que l'État donnait aussi l'argent, au même moment. Et là, c'est officiel, on dit, les parents ne payaient plus. L'Église dit non, ça ne peut pas se faire. Ce monsieur ici est venu nous arracher une manne qui était déjà dans la bouche. Nous devons le combattre. Il doit partir. Le problème, c'est autour de tout ça. Non, vous dites que... Si aujourd'hui, on dit, bon, les parents commencent à repayer pour vos enfants, vous verrez l'Église catholique, ils seront très gentils avec le gouvernement. Le problème, c'est au niveau... Affirmation n'est pas ma tête. Affirmation, il y a des gens qui ont parlé sur des plateaux. Nous avons des images. Vous confirmez, moi, sur là, que l'Église catholique est contre le régime Tshisekedi. Maman, comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que comité y a des parents ou des foutaka. $100 par élève. Kinshasa a combien d'enfants? Mbongo nyonso n'ezali kokende et pas basango. Depuis qu'on a coupé cette histoire-là, c'est toute la discorde. Vous pensez qu'ils sont mécontents? Pourquoi? Parce que population zonio comme le cardinal l'a dit, population a souffrir, nanzo topé na moli monaie, a zoliaté, a vivre bien, situation sécuritaire na mala moté. Le quoi baza pemé ya population, yango bazo dénoncer. Il y a aucun pays au monde où il n'y a pas de gens qui souffrent. La souffrance, c'est lorsque nous rentrerons là où nous sommes venus au ciel, là où il n'y aura ni deuil, ni souffrance, ni pleurs, ni kimpiakana, tout ça. Sur la terre ici, même aux États-Unis où nous vivons, il y a des gens qui souffrent, mais c'est à des degrés différents. Pourquoi il y a des élections? L'injustice, c'est depuis que le monde existe. Il y a les classes des bourgeois, les classes des prolétaires, il y a les pauvres. Il y a toutes ces classes-là qui ont existé depuis l'époque avant Jésus-Christ.
à l'époque médiévale, tout ça. Donc vous trouvez normal que quelqu'un détourne 5 millions de dollars alors que Mutomura Zapembe Niazo Zangata Matembe Rotiana Nanzungale Sabana. Est-ce normal? Nous ne défendons pas l'indéfendable. Nous disons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais penser que c'est seulement au Congo où il y a cette situation-là, le cardinal Azo présenté en haut, je ne sais pas si mon Rwanda. Comment la population rwandaise souffre. Très bien. 12 millions de personnes imposées, voter. Les rois Kagame Azongina Bokonze avec plus de 120% il y a voix, mais population il y a Rwanda Bazomo n'a pas, ils vivent avec moins de 1 dollar par jour. Donc la situation au Congo est catastrophique, ça je l'ai toujours dit. Nous sommes en train d'interpeller les autorités. Nous voulons que ça change. Ça ne doit pas rester là. Parce que le peuple congolais mérite mieux. Dieu nous a tout donné. Il y a toutes les ressources si c'est bien géré. Si nous avons des gens qui ont l'amour du pays, ils peuvent bien faire les choses et nous pouvons tous nous retrouver. Merci beaucoup, Madame Boka. Quelqu'un m'a dit hier que ce qui se passe au Rwanda, c'est tout sauf les élections. Et tout le monde, comme international, Roi Kagame, parce que ça ne sert à rien de parler des élections quand on n'a pas de challenger. On est seul avec deux marionnettes qu'on place là-bas. On dit, bon, allons quand même. Comme ça, on montre que la démocratie... Vous avez vu les observateurs au Rwanda? Il n'y en a pas. Ni de l'Union africaine, ni de l'Union européenne, ni de l'EAC. Il y a un Congolais. Très bien, merci beaucoup Malamboka. Lobito monaki sur la toile et pela ki moi mingi sur moko ya bayimboka otoza wana sengo ko ya mbatango nyoso awa koloba ke no akei akeite. Qu'est-ce qui se passe akei o akeite ndeko za kindala za biso sur ces plateaux ce matin, est-ce qu'il revient de retour? Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à la secrétaire de la question de Kouza Kindala. Comment ça se fait que sur la toile, Batebele va annoncer que départ n'a pas. Rumeur, on est où tu as fait? Est-ce que vous avez une tendance? Et où tu as fait à Congo? Bisho Tozali, mouvement de réveil des prises de conscience, MRPC Congo. Tozali qu'on s'identifie ni na opposition. Où ils allaient coexister définitivement, ni la majorité légitime où ils allaient coexister dans le cannabis sauté. Tous alliés alternatives, de lancer mouvement où ils allaient penser, ils allaient idéal, ils allaient lutte moko citoyenne et républicaine pour que tu aies jeune bilingue ensemble pour que tu aies la langue quand tu as envisagé de lancer une nouvelle classe politique dans le cannabis. Maman, il faut y aller dans le cannabis, dans le cannabis, moko oyo. Classe politique n'a besoin de décevoir. Bato va diriger Congo depuis 60 tilélo, va trahir mémoire et va perdre l'indépendance. Tant aux yeux de Gonzalo Bawana que l'élection s'est mise à Rwanda, bah observateur va saliter, oui évidemment, parce que besoin de tout ça va avoir occasion au monde et la biso. Le Congo n'est pas indépendant. Ce que nous avons reçu, ce que nous avons eu ou reçu, je sais pas comment ça se dit en français, le 30 juin, ils allaient qui indépendance moi la façade. Tous a tellement dépendant, bah sur le talis c'est ça la kimboga de l'indépendant, tous en ngoté. Toujours c'est la monnaie étrangère vérifiée, dollar ils en avalent le cas franc congolais. Moi, je préfère dollar que mbokanae. Bah, tu veux les autres, bah, les autres mbokanae, c'est pas que Belgique à lobby, bah, la libération, mon abat, soit ta demande, ou la demande d'asile, bah, comme na le coup, t'as un solo. C'est le Congo. Le Congolais n'aime pas son pays. Soit à un niveau, il y a sécurité en mboka armée. Au moins, même t'attends mon conseil mboka, t'attends aux bunda, ah, même pour la sécurité, les mboka, les mindele, tout, bah, donc mboka ils appellent na, SCA, SCA, bah, Dokota, bah, Sadek, bah, Zoya. Donc mboka pensa na n'engue indépendance, tous indépendants. Et y'a un gros signe na bisou siko lelo. Bah, tu es allé lobino, bah, on dit qu'on a gagné, bah, tu la bisou. Tout bunda, pour tous appellent indépendance, il y a solo. Tous à la capable, y'a un lobapé net, tout boui. Même bah, minéraux mndele, ça coupe, ça pourrait causer un gros. Y'a un achat pris. Vérifier mon malhomme. Tous en a diamant, tous en a coltan, tous en a or, tous en a cuivre, tous en a zinc. Mais ben, il faut avoir un minoko. Non, non, il faut l'État à s'organiser. Berkop, école technique et salement. Maman, on a beaucoup de choses au tangi. On a tangi, on a beaucoup de choses.
travail manuel, travail manuel, comme. Puisque que la machine, on a travail manuel, on a ça la faire dépasser. On a ça la téléphone, on a ça la USB, travail manuel. Mais là, on a ça la minéraux, on a ça la mission. Comment beaucoup s'imaginer que nous avons matché, on a ça ma belle arme, nyonso, coltan, cuivre, or, zinc, ma pessata moutoumouroté, ma il a ça la biloko. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a prise de conscience. Nous sommes toujours dans la MRPC. Congo, c'est la crise nyonso, économique, éducation, tout, tout. Mais crise, il y a ma casse. Où est-ce que Congo, pendant 64 ans, le collègue a sida. Ils allaient crise, il y a conscience, crise, il y a mentalité. Et je ne dirais pas qu'il y a une conférence nationale, il faut changement de mentalité, parce que l'obité, rhétorique est changée, il faut une révolution des mentalités. Banda, tata, mon conseil en boucle, il faut que tout le monde se réveille, prenne conscience, parce que le lot trouve à la beauté. Oui, mon ami, l'obité, il y a un réseau, 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 il y a un réseau. La PCP n'est pas à Zali, la PCP n'est pas à Zali, la PCP n'est pas de père et de mère. Tout bon, bah, Donc, moi, au côté, oui, c'est vrai, au côté, la marche, au côté, dans la boutique, au côté, VVS, il y a 800, 900 dollars, et que ça les m'a sauté. Ce qui est un problème ici, et le problème, il y a. Congolais, des fois, on a vu, 64 ans, maman. Attends, mon tout, tu le connaissais, il y a un bandit, tout est les mananes. Qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête quand même. Qu'on fasse, qu'on rentre dans l'histoire de notre. Toujours, on a histoire en Boka. Dans l'histoire de ce pays, il y a des grandes leçons à tirer. Des leçons. Aucun pays, je dis, en tout cas, j'ai même ma main à couper, aucun pays dans le monde a une histoire glorieuse à Kola Congo. Nous avons une histoire, sur le Talibé Kongan, peut-être dans l'État d'Israël. Mais nous avons une histoire glorieuse. Est-ce que les gens, les Congolais savent que depuis 60, les 30 juin, jusque le lot 64 ans, on est toujours en guerre. Rentrez dans l'histoire, vous verrez. On est en 1960, mutinerie, sécession, et ça, Bitumba. On est dans un pouvoir coup d'État, Bitumbezalaki. Ceux qui déjà Mbouga Babobi, Premier ministre, on l'élimine physiquement. C'est une guerre déclarée. Et quand tu regardes autour de ces réalités-là, tu verras que même si on dit que c'est le Belge ou les Américains qui ont tué Lumumba, mais t'es là dans ma vidéo, tout le monde. Pourquoi est-ce que tu as la photo? Est-ce que tu verras un seul blanc dans ces images-là? Il n'y a même pas un seul blanc. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous nous massacrons, nous nous tuons. Et prendre les armes aujourd'hui, après 150 ans de l'indépendance, c'est-à-dire que nous voulons que tous les gens soient là. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit Kabila, nous avons dit et c'est ce que l'homme blanc veut imposer aujourd'hui. Évidemment, nous, on ne va pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la prise des armes. Nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les Congolais au point de conscience. La première des choses, c'est ce que nous demandons d'ailleurs au président Félix Tshisekedi. Il est là, il est président. Il est là. Maintenant, qu'il ne perde pas d'énergie. Diplomatie, patati patata. Non, il y a une mission. Mettre tous les Congolais autour de lui. Et de discuter sur ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Nous ne sommes plus une nation. Nous ne sommes même pas un État moderne dans toutes ses frontières. Pas du tout. Comment ça? Non, évidemment. Et Bounakan est zaté. Comme on dit l'autre chose que nous avons dit il n'y a pas longtemps ici. Mon avis, dans une église, ici au Congo, c'est parvenu comme un chef de l'État de son coin. Et vous parlez d'un État moderne? Non, maman, non. Tofanda, et pas la bisson, la moulouba ya kassai. Non, la bâtirée de la vie, là. Je ne combats pas Tshisekedi de la personne, je combats la gouvernance, les systèmes qu'il a empruntés de Kabila, de Mobutu, c'est ces systèmes que nous vivons aujourd'hui et que nous dénonçons. Mettons-nous ensemble, discutons, demandons pardon aux ancêtres. Tosinabolim, réconcilions-nous avec les esprits des ancêtres. Ça existe que chez nous, on dit Bakish, Bakish Badjokoko. Il ne faut pas mettre de côté cette histoire-là. Je vous dis ce qui est vrai, Dieu m'en prie. Le Congo a un problème spirituel. Oui, c'est même le problème. C'est même le problème. Maman, mais fermez les yeux, regardez, un pays où il y a coltan, diamant, on a tout. Chez nous, on a même les carburants, on a le pétrole pur. Mais surtout, le pétrole, il y a Océan Zali, mais il y a Moukile les Zali. C'est le meilleur pétrole. Sauf que dans le monde, sont des Zali. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sait même pas fabriquer un stylo? Nous, nous sommes en train de sensibiliser ces Congolais qui prennent conscience. Diamant, coltan, tout le monde, on a 52 ans, le loup. Dans le monde, on a coltan. J'ai eu la grâce d'avoir les diamants chez mon grand-père en Boujmaï. J'ai vu le diamant.
coltan, cobalt, tokaka, cobalt, tokaka, tout ça, un zinc. Sauf aussi tableau périodique, oui, oui, amen, ceux qui mènent des lièvres, ceux qui mènent des lièvres. Tous les éléments sont dans le sous-sol. Maman, on a tout, on a la forêt. Tout ça, la maille. Quand tu vas en Égypte, on te dit l'Égypte, les eaux dépendent de la Nil, fleuve, et kotakak. Mais nous, le fleuve Congo, quand tu sautes à les cartes, le fleuve est né au Congo et se meurt au Congo. Fleuve Congo, il va dans la Congo, dans la loi, mata, boy, tambole, mata, titi. Et il y a un océan. À part Brazzaville, Tokabola, ce sont des mystères où il faut te saisir. Arrêtons avec la haine, arrêtons avec le tribalisme, arrêtons avec la démagogie. Travaillons sur ce que nous sommes comme peuple. Merci Jacques beaucoup. Ndala, avec le MRPC, on ne prendra jamais les armes. Et ceux qui ont pris les armes, c'est leur droit, c'est leur conviction, que Dieu les aide. Pas faire l'apologie. Non, je ne fais pas l'apologie. J'ai dit que Dieu les aide parce que leur conviction. Moi, je ne fais pas. Attends, il sait pourquoi il a pris les armes. Il a ses raisons. Il a pris les armes contre la République démocratique. Mais oui, il a, c'est son opinion, c'est sa raison. Mais je viens de vous dire ici, tous ceux qui ont pris les armes ont échoué. On peut le voir à travers le monde. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Tokoba na masona biso ndeko Jean Mubenga tobanda ko soyola likambo etali communiqué il y a 5 ans. Na communiqué yango 5 ans et 5 ans et rappelé na bato nyonso nécessité à renforcer cohésion nationale na organisaka concertation pe regroupement ya ba force vive ya mboka. Est-ce appel na dialogue na tango tozali. Senko, sa démarche depuis le début, c'est toujours ça, pour fragiliser le pouvoir de Tshisekedi. Ils n'ont pas voulu apporter leur soutien au président de la République. C'est une église, comme toutes les autres églises. Ça a commencé même au niveau Mabiloko et Akozora, Kadima, comme président Yasseni. Vous avez vu comment la Senko a voulu faire ça un problème. Heureusement que les autres églises, les confessions, se sont imposées parce que Bango Bazaki n'a agenda na Bango. Vous voyez, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous demander la cohésion, tout ça, qu'eux-mêmes d'abord reviennent à la raison. Est-ce que cohésion qui nationale, se réconcilie d'abord avec la situation en Tozanango, Lelo, est-ce que cohésion nationale est effective dans le cannabis? Puisque il y a Kabila qui est de l'autre côté, tu sais qu'il dit Azo Bundapo a sili sa situation, Katumbi Nangambounaye, Fayou Nangambounaye, pourquoi pas Kosangan? Est-ce que décision Topé Bobin appelle il y a 5 ans, Natango et. La cohésion, on a commencé à parler de ça même déjà tant qu'on a gagné, tu sais qu'il dit a gagné deuxième. Mandat naïe Oyo, Babandi Likambo dialogue. Avant même ça, il parlait de dialogue. Il ne voulait pas que les élections soient organisées. Si vous vous rappelez bien, déjà au mois d'octobre, il y avait appel au dialogue. Les États-Unis, l'Union européenne, tous, ils voyaient que Félix, sur le plan national, il était favori. Il avait son deuxième mandat en vue. Et pour empêcher ça, il fallait qu'on puisse faire intervenir cette histoire de dialogue pour partager les pouvoirs. Ce n'est pas important en ce moment? Non, mais ce n'est pas important. Comment on va partager les pouvoirs pendant qu'il y a un gouvernement légitime? Le problème, c'est comme mon frère Jackie vient de le dire, il faut que la gouvernance soit améliorée. Ce n'est pas un problème de chercher encore à prendre les opposants, l'Église. Ils aiment ça. Ils étaient à la conférence nationale. On a déjà eu plus de 50 rencontres national dans ces pays. Colloque, accord de Luluabourg et tout ça. Ils se sont réunis partout, sauf au ciel. Donc, ce qu'ils demandent là, c'est pour qu'ils se retrouvent. Tous ceux qui ont échoué aux élections, tous ceux qui n'ont pas pu avoir un poste, parce qu'il faut dire, avant que le gouvernement sorte ici, même les gens que tu ne peux pas penser, ils étaient en train de chercher qu'on puisse les nommer. Oui, oui, on devait être surpris de voir. Ah, lui aussi. Il est. Il faut les citer. Ah non, non, non. Je ne veux pas ici qu'on dise, oh voilà. Comment on dit imputation de Majab? Imputation de Majab. Ah, mais Naebi, parce que j'étais là. Yeah. Mm. Oui, oui, il passe par tel. Il veut que. Mokonzi Batala. Batala Kana. Papa. Mais certains, on a vu quand même. Mais c'est. Ils n'avaient pas une mauvaise presse, c'est pourquoi on les a acceptés. Ils sont là au gouvernement, mais certains ne sont pas là. C'est eux qui sont en train, comme mon frère a parlé en Tchouba, je peux aussi parler en Tchouba. Ils cherchent comment ils peuvent avoir ce dialogue-là.
il passe par l'Église catholique pour qu'il se retrouve, qu'on les nomme même quelque part, parce qu'en 2028, Mpiaka et Ouzala multiplié fois 5. Déjà, ils ont fait les deux mandats. Peut-être que déjà, le terrain est belé, Bandakou, tout ça. Alors, ils se disent, si on n'arrive pas à avoir quelque chose, 2028, on va disparaître. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique, l'idée n'est pas mauvaise, mais les motivations ne sont pas claires. Ils doivent d'abord se réconcilier avec le peuple, dire au peuple la vérité sur tout ce qu'ils ont menti. Ils ont reçu 40 000 smartphones, ils ont reçu l'argent, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais Dieu a confondu ça. Qu'ils reviennent d'abord, qu'ils acceptent que c'est notre pays, c'est notre héritage commun. Chercher à servir les Européens là, ça ne sert à rien. On n'est plus à l'époque où on doit continuer à dire oui. Regardez les petits pays comme le Burkina, tout ça. Ils se sont révoltés, ils ont dit pas question, on coupe avec les Européens tout ça. Et le président là a même dit, ah, vous refusez de nous vendre les armes, vous aussi ici, nous vous retirons toutes les licences d'exploitation de nos minerais. Voilà. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Cette révolution-là que mon frère vient d'évoquer ici. Oui, on ne doit pas continuer à attendre que Biden, qui a perdu même le cerveau, dise qu'au Congo, trêve. Allez, vous ne vous battez pas. C'est quoi cette histoire? Et nous ici, à 20 000 km, on doit obéir comme des petits enfants, comme des grands enfants. Est-ce que vous avez été obligé à conduire ma proposition un trêve humanitaire? Mais c'est ça que nous reprochons à notre gouvernement. Le gouvernement ne doit pas continuer, non, nous sommes signataires des traités internationaux. C'est quoi ces histoires-là? Le président Tshisekedi a dit à un journaliste en France que c'est quoi la démocratie? Parce que vous venez chez nous, vous nous montrez comment nous ne sommes pas les humains, il y a les... Hein, comment le truc là à l'africaine, c'est quoi? Arrangement à l'africaine. Compromis à l'africaine. Vous voyez comment les Français, ils sont confondus maintenant. Ils n'ont pas de gouvernement. Ils n'arrivent pas à trouver un premier ministre. Ça serait aussi compromis à la française. Vous voyez, ces gens-là se moquent de nous. On n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous, en tant que peuple, nous devons nous assumer ici. Nos autorités, les gens qui ont un mandat public, doivent se comporter comme des responsables. Vous êtes ministre, vous êtes président de la République, vous êtes député national. Vous devez vous comporter comme un responsable. On met 5 dollars dans vos mains, utilisez ça pour les biens du peuple. C'est tout ce que nous leur demandons. Il n'y a rien à inventer ici. En Chine, vous prenez 100 dollars, on vous tue. Est-ce qu'il faut qu'on commence à tuer les gens pour que les gens se respectent ou comment? C'est tout ce qu'on demande. Prenez conscience, vous avez un salaire, vous avez des primes. Oui, bah toi, mais comment? Maman, yozo bati ndimbongo po nga nazo moyen kuza musala na le sa famille nga. Yozo mbongo na olie na ne compagnon ne fungwa mite. So nga e pana to la nzala, bana na monde ba okota na jet ba ke poto. Na sepela. Chez les Arabes, on te trouve dans un coin là, on t'achève, c'est fini. Et ils ont compris que l'homme restera l'homme si on les conditionne pas à changer. Si on n'arrive pas à prendre des mesures difficiles, qu'on appelle mesures impopulaires, où il y a que abomi 50 personnes, Mboka Mobimba, vous avez un sentiment mélangé de tristesse ou de joie, de satisfaction ou de déception. On ne sait pas. Pour ceux qui ont perdu les leurs, c'est une déception, c'est une tristesse. Pour les autres, c'est une solution. Maintenant, ça va servir d'exemple parce qu'aux États-Unis, il y a des choses, vous les faites, on vous met sur la chaise, on met du courant, vous mourrez. Ou on prend un médicament, on vous donne. 5 minutes, c'est beaucoup, vous mourrez. Votre famille est consciente qu'à 12 heures, on va tuer notre frère. Parce qu'il a fait telle chose. Donc, quand on dit, ah, Bissot, tu as une liste, tu as une pauvreté, mais toujours, tu as pris la décision, ma casse, c'était pour nous, bang, ça va tout, parce que ça se passe. C'est comme si nous-mêmes, nous sommes conscients, nous aimons, nous faisons l'apologie de ces gens-là. Nous les encourageons. On les appelle presse partout ici. Le paternalisme, il faut détruire ce mythe-là. Où l'un
doit avoir beaucoup, l'autre doit tout perdre, doit tout manquer. Comme ça, celui qui a beaucoup, il peut mettre ce qu'il veut dans tes mains et toi, tu continues à l'acclamer. Nous ne voulons pas une société fracturée comme ça. Nous avons besoin d'une société équilibrée, une société stable. Merci beaucoup, mon ambo Kandeko Jakindala Yambotozoa, dossier IGF na Cour de compte. La barbarie rwandaise dépasse ses limites. Le porte-parole du gouvernement, Azali Kouakizé, bon régime, Paul Kagame, qui a saboté trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Vous comprenez la position du gouvernement congolais, Yako, dénoncer une fois de plus. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. C'est révoltant et c'est humiliant. Maman Naomi. C'est difficile et c'est triste. Vous imaginez, chaque jour les Congolais meurent. L'insécurité, ce n'est pas seulement à l'Est. Ah, on a quoi, Mouto? On a tué plus de 50 personnes. Des Congolais chez eux, et ce pays-là, au fait, moi je prends toujours la dimension spirituelle. Mabele ou yuzor, mais la makila, mes colonions. Et c'est bien la bisauté. Le sang est sacré. Le sang, même pour ceux qui prient Christ, ils savent qu'ils ont été rachetés par le sang. Le sang est sacré. Le Félix Tshisekedi doit savoir qu'il y a un mot à Oyo, Likolo Makila. Et à Zoukouba, ou des gens, Likolo Makila. Ça, il faut atteindre la dimension. Nalanine de Koualobi tout à l'heure, ma Kambouya, Bazoko de Tournée, tout. Maman Naomi, nous avons une culture, nous avons un passé, nous avons une histoire. Revenons dans l'histoire de ce pays. Nous avons un défaut. Socrate. Ailleurs, non, selon Melchizedek, selon un russe. Non, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas que des savants là-bas. C'est humiliant. Est-ce qu'on connaît la personne où elle a découvert Folia pour nous? Non, mais c'est un génie. Non, s'il vous plaît. Est-ce que Moutoua, la personne qui a fabriqué la Chikwang? C'est grave, mes frères et sœurs. Même l'homme qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est qui encore? Diego Kao, scientifiquement. Mais attends, mais nos ancêtres étaient là. Tolu Kato et Bataké, non, qu'on enseigne ça à nos enfants. Revenons dans l'histoire de ce pays. Maman, il y a un problème sérieux. Kobomba Batu, Kobeta Massa cité. Aux États-Unis, oui, bah tiens, la chaise, soit une chaise électrique, comme ça, oui. Moukaleng, chez nous ici, les ancêtres existent. Oh non, présence du pouvoir, bah tiens, on a Bible. Non, on n'est pas des croyants. On fait semblant. On a tout emprunté parce que les Américains les font, les Français. Non. Revenons à nos us et coutumes. Il y a des valeurs et des valeurs très, très strictes. Moutons du pouvoir. Na komwe ba koko na ye. Bozuma sanga nsamba. Bozuma kasu. Bolie, bozuma koko ya mboka na ye wana. Ata chef koutumi, ba vrai bazali. Ba liye pampa ba sopele ni makolo. Ba sanga nsamba. To peche yo bokonzi. Ba koko bazala na yo. Soki o yibi. Un franc. Ya na li benga ya l'Etat. Ba koko ba s'okipe na yo. Maman, je vous dis, vous allez voir. Ndenge mboka yo zonga. Ce que nous disons aujourd'hui, si ces gens ici qui ont trahi nos ancêtres, bon, c'est la moitié que nos enfants prennent ces pratiques. Je vous dis, vous verrez, les gens vont revenir dans la logique, dans le respect. Chez nous, ça existe. En tout cas, biso, bambino, bakoko, bok, ma belo, boutique, la biso, Rwanda, zo, kota, boy, nengenin, banda, lobby, amon, la frontière, on est balé. Et ça, belo, est salement, maman. Et ça, même quand l'homme blanc est arrivé ici dans ce pays, on le dit toujours, biso, tout en histoire, il y avait des grands rois ici. Il y avait des grands royaumes, le royaume Congo. On apprend ça dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui nous a caché? Est-ce que nous-mêmes, on a fouillé dans l'histoire pour savoir, oui, les rois Congo, le royaume Congo existait avec les grands rois Congo. Le Mouantiao, les Kamouina en Sapou. Au moins, il y a un Sapou, nous avons un Kabila. Est-ce que vous savez pourquoi Kamouina en Sapou a échoué? Est-ce que vous savez pourquoi Lumumba avait échoué? Est-ce que vous savez pourquoi Mvoumokimango avait échoué? Ou ils ont été tous assassinés? Parce qu'on les a trahis par leurs proches. C'est ça la race. C'est ce que nous sommes. Nous avons une race traîtresse.
il faut prendre conscience. Nous avons un grand et beau pays. Ce pays-là, c'est une puissance. Le Congo n'est pas seulement au cœur de l'Afrique. Regardez la carte. Sauf qu'on a l'Atlas. Globe, t'es font l'Atlas. Le Congo est au cœur du monde. Tout doit partir d'ici. Et ça se fera tôt ou tard. Mais seulement, réconcilions-nous avec les esprits de nos ancêtres. On a tellement trahi, il est grand temps. Nos ancêtres nous ont tourné les dos. Ils existent. Maman Naomi Nassili, c'est là où on a le basico. Batbalbaro, Maïkari, Rosekwa, franc-maçon, ils ont ma bête. Ils ont ma bête, c'est faux. Franc-maçonnerie, ils ont bien. Maïkari, ils ont bien. Rosekwa, ils ont bien. Mais ils ont beaucoup de choses à Batouana. Place où tu as. Rosekwa, c'est pour les Belges. Le roi belge, c'est les grands, il paraît, c'est les grands, je ne sais pas moi comment on dit. Les francs-maçons, là. Francs-maçons, ce sont les frères maçons. Ce sont les Anglais. Non, non, ce sont les Français. Évidemment, ce sont eux qui ont construit la France, l'Angleterre et les États-Unis. Au moins, dans certains libertés, il y a des États-Unis, et pas que les Français ne sont pas américains. Alors, c'est pourquoi tu vois tous les présidents des pays d'Afrique, là, qui ont été colonisés par la France, ils sont francs-maçons. Ils ne travaillent qu'au service de la France. C'est le principe. C'est pourquoi tu vois tous ces étrangers-là, ces occidentaux qu'on accuse là. Ils sont ici, ils sont avec nous, parce que ceux qui nous dirigent sont leurs poulains. Ce sont leurs disciples. Vous voyez tout du côté spirituel. Et que dire dans le dialogue où tous ont attamé de gauche à droite? Maman Naomi, tout part, tout, c'est l'esprit qui domine tout. L'esprit, c'est la conscience. L'esprit, c'est la vérité. L'esprit, c'est ce qu'on respire là. C'est ça. Si on te le retire, l'esprit conduit tout. Dans les émissions, on a le bas. Les Français ont dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est les Français. Tu vois, tu as pris ça chez les Français. Mais Bako, quand on a le bas, bomba, bomba, mabé. Bako, on va back ici. Au moins, il y a des Yozu Français. Moi, je suis un peu plus grand que mes vestes, les lunettes, les lunettes, les lunettes. Oui, veste dans la tio, ils ont coton. Coton ou en Afrique. Lunettes, ils ont or, tout ce qui est argent. Argent, or, ils ont un bocal. Pourquoi nous, tout ça, il a monté? Nzambe, peuple à Israël, Nzambe, Tali, dans mon kili. Habite, peuple, n'a pas de civilisation. Attendez, en Égypte. On ne vous dit pas ça. L'Égypte, c'était en Afrique et c'était les Noirs. C'était une civilisation. Nous tous, là, on est venus de l'Égypte, Tozo Yaboé. C'est ça l'histoire d'Afrique. Israël est la puissance de l'eau pour les joies civilisation dans l'Égypte. Bon, voilà, donc, moi, je pense que Tozo Yaboé, moi, j'ai dit toujours, je m'excuse, mon frère, là, Zah Diaspora, depuis Mouta Kenda, c'est la diaspora qui nous dirige. Malheureusement, c'est elle, Mouzé Kabila, diaspora tanzanienne, Joseph Kabila, diaspora tanzanienne, Félix Tshisekedi, diaspora belge. C'est ça. Ils ont venu avec leur culture. Tu sais que d'ailleurs, tous ses enfants sont belges. Vous pensez qu'il va travailler pour l'intérêt des Congolais? Kaka. Mais ça va, il ne faut pas... Non, non, maman. Émission de Sala Oyo, ils ont un intérêt. Celui lobby, n'a déjà mis ici, c'est un tika. Tout le monde travaille pour les intérêts. Moi, le peu de français que je parle, Dieu m'entend. Nous avons beaucoup raison, mon angaï. N'a tika la convié pour tout. J'ai fait l'école maternelle ici. Primaire, secondaire, université, le peu de français que je parle, je l'ai appris ici dans mon pays. Et je parle français par complexe. C'est pour mon angle, 4 langues nationales, j'ai besoin de ça. C'est un don et c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je reste dedans. Nous avons des valeurs, maman. Et si vous avez la chance de partir et d'apprendre... Apprendre quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? Citez-moi un seul monsieur qui est allé apprendre aux États-Unis, en Belgique, qui est rentré ici, qui a inventé quelque chose comme les Américains. Quand vous allez, on vous amène dans des théories, dans des histoires. Vérifiez. Ouais, licencié, docteur, master en droit. Master en économie. Économie, pardon. Économie, c'est anime. Quand on a eu un temps au côté de la chemise, au tricot, on a 100 dollars, on a dépassé 100 dollars, on a sauté. On a un temps à 1000. C'est ça! Tu te préoccupes de tes enfants. On a 100 dollars, on a dépassé 100 dollars, on a dépassé une classe. Tu te préoccupes des autres. Chez nous, on dit ça, ce sont les ancêtres. Les chefs. Aza chef, il y a Batnaye.
Tshisekedi ne peut pas dire aujourd'hui dans ce pays que l'opposition a pété. Non. Azali, chef de l'État, il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Et l'opposition, Oyabanguna majorité, c'est lui. C'est lui le chef. Il doit avoir le courage d'aborder les uns et les autres. Il peut prendre le téléphone, il appelle Fayoulou. Il peut prendre le téléphone, il appelle Kabila, Katumbi. On nous a chanté ici Kabila, Zarwandais. Qu'on veut nous le dire, ils sont au pouvoir. Ils sont là. Ils nous ont dit Kabila, c'est un Rwandais. Mais ils sont au pouvoir qui nous disent mais non, Kabila, c'est un Rwandais d'où? On nous a dit Katumbi, c'est un étranger, c'est un étranger. Babisso, tu perds de temps à la campagne, parle au roi. Kabila, c'est Katumbi, c'est un étranger. Mais qu'on nous dise maintenant, ils sont au pouvoir. Katumbi, c'est un étranger. C'est maintenant le moment. C'est maintenant les moments qui sont là qui nous disent qu'on arrête de s'en prendre à Kabouya. On a déjà éliminé. Ah, je comprends. Je comprends, pardon. Tout en bagage. Balongoli Kabound, Baba en bagage à Kabouya, Bani, en bagage, bon, je vais voler. C'est grave. Chaîne de l'ensemble, quoi, tu sais, nous, moi, nous, quoi, tu sais. Nous, quoi, tu sais. À Tabal, à Kamoul, mais. Non, il ne faut pas rire, ça fait mal. C'est pas possible. Tout en bagage à Makengas. Ma kenga ni vite en zala ni boelo dit chio le tu boelo mo nzala hein ils a pas si tout ko ambarage babo tout ambarage engloba ba ko bakisa c'est babo c'est deuxième mandat il y en a bien la lingala na chiba na lobi bazo bakisa do bakisa ki ya liboso bakanga ki kabunzi bakisa ba lunga balongo la soka buya et puis bakisa ni passe na minyoko toujours souffrir maman na outie pas na avant dans la bible pas aéroport na longue 7 heures na comme na ville 10 heures les États-Unis c'est un voyage hein la France c'est un voyage. Na Rwanda, tu quittes le Rwanda, tu vas dans un autre pays. C'est grave. Très bien. Merci beaucoup, Mwalamboka Ndeko. Jean Moubenga, vous aurez à réagir sur ces propos. Diaspora et Kambimboka Diaspora, Premier ministre Diaspora, Président Aoutaki Pembapaya, Gouverneur Aoutaki Olekapé Azalaki Père Vanda Libanda, mais Makambe Samilora qui penza tenez. Bah, tu as la photo, il y a gouverneur, tant que gouverneur, il y a photo, non. C'est grave, gentil, Ngobi. Il y a hôtel de ville, il y a commissarité. Diaspora, ils ont un problème, tu sais. Ils ont des systèmes, ils ont des problèmes. Parce que la diaspora, tant bazoya, bazo travailler na bandeko o bazo kuta awa. Et ils entrent dans les mêmes systèmes. Ceux qui magouillent, ceux qui mafia, ceux qui nini, ils ont déjà installé. Au moins, ils ont eu un conseiller, Jacques Azao, nommé ministre lobby. Pourquoi? 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 Vraiment, tout s'appelle Mingdeng, nommé, tout salé, recherche, tout le monde, 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 tout le il y a 30 conteneurs et ils ont comme dans une semaine dans ma tête. Ils ont ministre. Ils ont déjà un bon mouton. Donc, il t'a affaibli déjà moralement. C'est ce qui se passe. Diaspora, c'est un problème. Tant que il y a. Parce que quand on a un système, le système est déjà pourri. Depuis Mobutu. Il n'essaye même pas de faire la différence. C'est pas hein? De se démarquer. De se démarquer. Mais, maman, au ce moment-là, le joueur Mogo a gagné le match. C'est ça l'équipe. Au coup de gardien Zakuna, gardien est corrompu, le numéro 8 est corrompu. Yomo Gozo, c'est le numéro 9. Balezo yate, ba opé so balete, parce que ba moutou ba corrompu. Ba obi mso so fouter. C'est ça qui se passe. Vous êtes entouré de chauffeurs, Azar Jena Katakop. O tindie ba bong sa pne. Azar obi so te mo konze. Nene, pne wana ba obi moyen, ba bong se zate, photo son ba pne mso. A pineza combien 200 dollars. A peso numéro ya place wa sa yokali na mutwana. Abi patron ko benga yo. Yebisa e boy. Na lobi ministre te na bi chauffeur. Ozo ka dimension ya dega oza na kata mboka. Crise za na niveau nyonso. Passer lobi mselo prophétie ya mabe. Abangi so ya na dim oya na nimbo. To mboka
Maman, il y a diaspora, c'est un problème de tous les Congolais. Révolution des mentalités. Oui, les choses doivent changer. Non, non, nous allons quand même citer na dossier UGF. Gilles Alingué était invité dans la Cour de compte. Récemment, vous avez qu'il y a au Sénat qui paye que justice a s'est saisir du dossier. Est-ce que ça a satisfaction? Tant que nous avons le bas, nous avons dit non. Gilles Alingué, nous l'avons vu comme un ange. Mais aujourd'hui, on pense qu'il peut être aussi parmi les démons. Avant, j'étais comme on nous a présenté, que Yende, on l'appelait comment chien de garde ou quelque chose comme ça. Le président l'a même plébiscité en public. Mais quand on a vu la vidéo qui est passée, quand on apprend que cette histoire de 7 milliards, Bissonio Stosepé, Tobi, Congo a gagné 7 milliards, Babi, Gilles, Azaki Nakata, Lissolo, le Congo a perdu 3 milliards. Oui. Ce qu'on vous a montré, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse dire aux Chinois qui prennent nos minéraux que non, bon, écoutez, ça va, on s'entend à 7 milliards. Nous, on devait, la compagnie là doit 500 millions chaque année. En 20 ans, c'est 10 milliards. Comment on accepte 7 milliards? 3 milliards. Oui. Quelle est la raison? Parce que les minéraux sont nôtres. S'ils refusent avec leur investissement, qu'ils partent, il y a la Colombie qui est là, il y a la Bolivie, il y a tous ces pays de l'Amérique latine. Ils ont ce que nous avons ici, même si c'est en petite quantité, mais qu'ils aillent là-bas. On n'a pas besoin de brader les minéraux de ce pays. Mais on nous a présenté, tout le monde, le directeur du cabinet, Guylaine Yembo, tout le monde, ils étaient là, ils étaient contents, nous avons eu 7 milliards. Mais quand on nous dit que dans ce deal-là, il y a, la RDC a perdu comme ça 3 milliards de dollars. Bon, ça, c'est, je ne dis pas que c'est Gilles, je dis qu'ils étaient tous dans la commission. Le président a donné le travail qui... Ce dossier-là. En ce qui concerne M. Gilles Alingué, inspecteur, il y a UGF, détracteur, il y a des bazolo qui a tout pris mon maman, est-ce que vous sommes en moto? Nani Andima déjà, Longolé, place à Zali. Gilles Alingué, nous avons suivi dans la vidéo, bazolo qui est Azana, Mituka, ce qui est au Tali, Bilo Kwazanango. Au tel salaire en tant qu'inspecteur de finances, il a autour de 7 000 $ comme salaire. Mais ce qu'il a, c'est incroyable. Donc, il y a raison. Nous ne disons pas qu'il est fautif, il est déjà coupable. Non, non. Nous disons qu'il y a eu des rumeurs. Or, le ministère public, Moussa Naezali, a eu des rumeurs. Abandeko, tu as dit que la famille Raoudji. Yo zaiko sunga ba ngoba yiba mosolo mboka. So ba ngoba futa 13 millions, yo se ba ngote bo futa 1 500. Nyon so na mboka ezo perdre. Est-ce que zayo to ezayo te? Ba yo kaye a justifier ce qui ba preuve ba to ba lobby biloko na ba lobby bazana ba preuve. Ba yana ba preuve. Parce que ba mosolo ba lobby o dossier na ceci là. Et si là na contexte ni ne si là na so ki ndeko mumba azaki nani? Azaki président Mumba, la personne ou notre cour de cassation, okay. Magistrat ou bien Azaki juge Mumba, député, ils sont tous magistrats, donc procureur ou bien voilà. Juste. Donc il semble que le dossier à Linguette na famille Raoudji, et s'il a déjà, ils ont déjà dossier classé, mais pour Nani Ezongi, parce qu'il y a de nouvelles révélations. C'est pour eux, Azaki Linguette, ben d'avoir n'engagé. Et aussi la Pégabon. C'est vrai. Vous êtes là. Maman, non, ah, donc, à l'lobby, Ndenge Gilles, te monique, à cause de la nan, moi, nene, n'a pas de benda, eh. Ndenge nan, ah bon? Ah, ben, faut faire, il faut faire confiance à la justice. Bon, tous, surtout que moi, dans mon bal, il y a jeune local la Bissot, à Zui Justice, Ndeko Constant, Moutamba, on a l'opé Sambote, à Salamoussala Kitoko. Déjà, Koben, à la Jules, parce que Batoualba qui, oh, il est intouchable, c'est l'homme du chef. L'homme de chef Namboko Tomoni Nicolas Kazadi. C'était l'homme de chef, non?
Il paraît qu'il revient demain. Lui n'a pas de problème. Batozo banga n'a pas de problème. Na dossier à forage, il y a un bandit depuis Kabila. Il y a un dossier à carte d'identité. Oui, mon anité, qui n'a pas de problème. Carte d'identité. Et ça, c'est Gilles dans l'ingé, qui n'a pas de problème. Mais il y a, oh, Gilles, il y a. Alors pour soutenir, alors pour soutenir, ben des comment on va perdre, ben du marché. Allez, abotir. Alors bien, bino, bino tu rates, marché, bino peu besoin. Mais c'est que population a moni que a du carte, il y a un des problèmes. Depuis la dame au carte, la zoa carte. Mais parce qu'il y a négocié la paix, ma condition est belée, a commis, ma communion soit na tié et bloqué dossier. Il faut mon conseil à arbitrer les Cambouana. Pour les Cambouana ici là. Ndeko Jules, il y a Azali, Azana société, mais Bandeko Moko, au Bazali, hein, proche d'Aye, Bazali Kouluka Marchewana. Et Zaki, Bandeko Baza Pembena Mukonzamboka, Bazaki Pena Katanin, Bandeko Bazaki Pembena, Premier ministre, Miswakala, Bazaki Pena Katanin, et Zaki Ba groupe, et Zaki Bele, ma société Zaki Bele Zoluka Marchewana. Le fait que Ezala Bandeko ne Bazui Marche, so ba groupe nyo so na ba bité ba on ba ko zangote ah 670 millions de dollars, c'est trop, on peut pas laisser à ces gens ici dossier à niveau ya ke zali ba conflit d'intérêt conséquence, il y a pas de carte d'identité c'est toujours là, toujours là biso to za problème te oh ba on ba zo ba mbongo on biso to zuni Bon, c'est ça, non, toujours la carte, on a ébimandé. Batika biso ba théâtre, nous sommes là. Sur la question, il y a ville, province à Kinshasa, tout le monde est déco, bombardé. Ah, bon, il y a le banc en bois à Lingette. Donc, il y a Zamto à Lingette. Zamto à Lingette. Ben, Moni. Oui, mais il a raison en même temps. Non, mais là, Bumba, c'est l'inité. Bumba, là, nous comptons bandité dans Moni. Votre point de vue. Bumba, c'est Kabiliste na. Cabinet, n'aie. Ah, oh, ouais. C'est directeur cabinet. Ah, c'est Moutala. Oui. Ah, bon, en fait, bon, en même temps, Moutala, ben, félicitations, hein, mon frère. Si on a eu des pèses, va tout à l'heure. Je dis tout à l'heure qu'on n'est pas dans l'opposition. Nous sommes là pour le réveil, la prise de conscience de, notre mère patrie. Aucun temps, on a souk à conclure, mais à Bosani tellement au Luba. Il y a une crise d'intérêt, pardon, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Bande de premier ministre, il y a un bande de copains, il y a un bande de copains, il y a un bande de copains, il y a un bande de. Mais il a oublié de. Moi, j'ai quand même la Nari Barada. Vous savez, l'émission là-bas, YouTube, non? Bande de la zone, on doit m'accasser. Beaucoup de raisonnements, on réfléchira tellement bien. Bandakala! Même des conflits militaires, j'ai suivi des vidéos. Mon frère, si vous aimez Félix, c'est le moment de lui dire la vérité. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir comme ça, mais à travers ces émissions-là, il peut vous suivre. C'est la seule façon de l'aider. Lui dire des choses vraies, en responsable. À Kanga, à Boma, c'est vérité. C'est ça la seule façon d'Yakolingae. Et moi, je dis, je passe ces messages, mais à tous ceux qui sont allés pour voter Tshisekedi, les 20 décembre, les 20, les 21 jusqu'au 27, ceux qui ont mis leur bulletin de vote pour Tshisekedi, ce sont ces personnes qui doivent être dures avec lui. Logiquement, si moi j'étais le président Tshisekedi, j'allais interdire à tous comment on appelle les porte-parole qui passent dans les médias. Ah, les communicateurs. Qui ne passent plus. Monsieur ne passez plus, restez à la maison. Travaillons d'abord. Mm-hmm. Et puis on va vous dire, bon, allez-y, les éléments sont là. Maman, c'est une cartel, il y a mafia. C'est une mafia d'État. Une organisation mafieuse au sommet de l'État qui est là pour s'enrichir illicitement. Il vient de dire tout à l'heure, Alinghetti, un ange. Les policiers, on appelle le truc. Où sont-nous aujourd'hui? Où tu le vois tout à l'heure, qui est Nicolas Kazadi. On apprend des choses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais qu'il n'a pas des bons collaborateurs? Qu'on dise encore aujourd'hui, bon, comme Kabila, je n'ai pas 15 personnes. Je pense qu'il les a. Le seul péché de Tshisekedi, c'est de s'être entouré de kabilistes. Et il n'a pas changé de système.
Il avait dit qu'il allait déboulonner le système. Il n'a pas déboulonné. Il a déboulonné Kabila comme personne individu. Mais le système, là, c'est lui le patron. C'est lui le roi soleil. Et ça, c'est dangereux, non seulement pour ce pays, pour lui-même. Le président Félix doit prendre conscience. La jeunesse attend énormément de lui. On n'attend pas qu'il nous, comment on dit ça, qu'il nous construise des routes, c'est faux. On n'attend pas qu'il améliore les conditions de vie des Congolais, c'est faux. On n'attend pas qu'il mette en place une armée, c'est pas république, c'est faux. Dans 4 ans, ça ne va pas se faire. Il doit être vrai en face de lui-même. Il doit se mettre dans le miroir. La priorité des priorités aujourd'hui, c'est la réconciliation nationale. Il est le père de la nation. Sommes-nous toujours une nation? Et le Kalanzelani? Moi, j'ai dit, non, je le dirai tout à l'heure, mais si je pas. Rosalaba assise, Tobin assise, il y a réconciliation, vérité réconciliation. Les Sud-Africains l'ont fait. Rappelez-vous, à l'époque de Mandela. Réconciliation, vérité réconciliation. C'est la seule façon de sortir dans ce qu'on est aujourd'hui. Et que chacun prenne l'engagement de ne pas trahir nos ancêtres, le Congo. Et ça peut se faire en ce moment ici. 4 années. Papa, Kinshasa Banzé, maman, Banzé les athées. Tout est bien, tout est bien. Comme pistolet, pistolet, ils ont dit 150, 400, place 500. Transport, côté 1000, côté 2000. Donc il y a un désordre incroyable. Manque, il y a état exaté. Allemagne d'Afrique, les peuples d'abord, arnaque du siècle. Oui, arnaque du siècle. Président Tshisekedi, Excellence, Monsieur le Président, c'est le moment de vous réveiller, de prendre conscience. Vous pouvez sauver ces pays. Tous les pays qui nous entourent, leur rébellion, c'est notre sol. Ils sont ici. Tous les pays qui nous entourent là. Et le problème là, ils le savaient. Qu'on ne dise pas que la guerre a commencé. Non, non. Ils savaient quand ils prenaient le pouvoir, que d'un coup, ta situation, peut-être le problème, ils n'ont trouvé solution à un mot. Il n'a pas trouvé de solution. Alors qu'ils mettent les Congolais. La seule chose encore réussir, il y a moins non. Je vous dis ces choses. Peut-être que les gens ne me prennent pas au sérieux. Tout le monde dit, non, surtout dans ma négociation, ils vont se partager à pouvoir. Évidemment, ça c'est bien dit, parce qu'au moins, ils se sont référés à l'histoire. Est-ce que quand on a fait des réconciliations ici, des dialogues, des conférences, des colloques, on s'est partagé le pouvoir, est-ce qu'on a trouvé des solutions? Non. Donc, partant de cette leçon-là, on va au niveau des négociations, pas des négociations, des dialogues, vérité, réconciliation, personne ne va bousculer personne, mais au moins on a l'assurance que Tshisekedi peut travailler tranquillement, calmement, dans la cohésion, dans l'unité nationale, pour nous organiser des très bonnes élections en 2028. Merci beaucoup, Mme Boka. C'est la fin de l'émission. Moko a commis biso que Maman Soumino a joué au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Bon, depuis dernière descente, na Goma. Elle n'est pas populiste. Faut la laisser tranquille. Elle travaille. Elle travaille. Nous, on croit en elle. Et toutes les bonnes chances à elle. Qu'elle réussisse. Merci beaucoup, Ndeko Zakindala. On se retrouve prochainement. D'abord, Ndeko Mosusu. Merci. Merci. Mme Boka, Chamo Binga. Et merci, Nabino Bana Congo. Tolinga Congo. La Congo. Tonga, Ekolo, Nabiso, Kimia, Mabuta, Nabino. Au revoir.